Une ville très fameuse en Suisse, mais chez nous aussi parce que finalement elles sont nos voisins de l'autre côté du Breuil. Eh bien, on part, vous sachez qu'on part avec un train parce qu'à Zermatt les voitures sont interdites. À tout à l'heure! Je suis en train d'attendre le train et voilà, je veux donc regarder quelques informations. C'est toujours très intéressant de comprendre l'étymologie des endroits où on va. Et voilà que je retrouve sur internet que le nom de Zermatt, de même de celui que du Matterhorn, nom allemand du Cervin, provient des alpages ou Matten. Le nom de Zermatt dans les alpages fut d'abord employé pour ensuite devenir Zermatt. Sa première mention écrite remonte au 1495. Et voilà alors une petite information avant de notre voyage vers Zermatt, une ville qu'on va vous faire découvrir. Et alors nous voilà avec quelques informations par rapport à ce train qui est en train de nous amener à Zermatt. Il part à 1599 mètres et on arrive à 2288 mètres, donc avec un dénivelé de 689 mètres. Donc on veut l'imaginer pendant l'hiver avec les gens qui vont faire du ski, avec les gens pleins de bagages, ça doit être magique. Donc l'invitation c'est de venir à Zermatt soit l'hiver, soit l'été. Et c'est Wally qui vous donne la bienvenue à Zermatt. Bonjour. Bonjour, Jeannette. Valérie, bienvenue à Zermatt. Oh, je suis trop contente de vous connaître. Oui, pareillement. Merci. Et pour le soleil, ici à Zermatt, un petit cadeau pour vous, ce sont des lunettes. Merci. Voilà. Oh, super, je vais les essayer tout de suite. Waouh, parfait. Super cool. Nous sommes en train d'aller vers Sunega avec une funiculaire qui nous accompagne jusqu'à là-haut. Il paraît qu'il y a une vue incroyable, donc on y va. La sensation est assez impressionnante. On a une montée, une paroi qui est praticamente verticale. Donc vraiment un'esperienza a bout de souffle. Et pourquoi ne pas emprunter ce vélo pour continuer notre promenade? En plus nous avons même la clochette. Suisse bien sûr. Quoi dire, une vue époustouflante sur le Cervin, quelque chose de magnifique qu'on ne peut pas perdre. Depuis le 1786, donc l'ascension au Mont Blanc, beaucoup de 4000 ont été, disons, grimpés. Mais il
vraiment que le Cervin. Monsieur le Cervin était bien sûr le plus difficile. Et c'est pour ça que Monsieur Wimper et d'autres alpinistes aussi, ils ont essayé plusieurs fois. Donc on peut imaginer que l'alpinisme a débuté par des raisons scientifiques. Le Mont Blanc a été, disons, grimpé pour chercher des rochers et des minéraux précieux. Mais à fur et à mesure, ça a devenu une passion. Donc on a commencé à monter sur les montagnes pour la pure envie d'y arriver. Et le Cervin, avec le Cervin, on peut dire qu'il a débuté le vrai alpinisme. So, rest of it, ham and egg. Thank you very much. Enjoy it. Thank you. Et nous voilà au lac Stélisée, où il y a une superbe vue sur le Cervin. Vous savez, le Cervin, on ne le trouve pas qu'en Suisse, à Zermatt, on le trouve aussi en Californie. Oui, parce que Walt Disney, qui était Monsieur Walter Disney, avait tourné un film pour la Walt Disney, bien sûr, en Suisse. Et c'est là qu'il s'est inspiré pour reconstruire le Cervin, bien sûr, plus petit, dans un parc d'animation en Californie. Alors, on a rencontré Marguerite, justement, sur cette belle télécabine. Vous allez où, Marguerite? Maintenant, je vais à la maison. Ok. Je vais à Berne, où j'habite. Et c'était une excursion d'une journée aujourd'hui. D'une journée. Oui. C'était votre première fois ici à Zermatt? Non. Plusieurs fois. Oui, je connais très bien. Vous venez soit l'hiver, soit l'été? Jadis, j'étais en hiver ici pour faire du ski. Okay. Et maintenant, je suis en été pour faire randonnée, un peu de marche, pour admirer les fleurs. Alors, pour nous, c'est la première fois ici à Zermatt. Si vous deviez me dire trois adjectifs pour, décrire Zermatt. Ah, tout le monde, naturellement, connaît le Cervin. Bien sûr. Et ce qui est tout spécial, c'est le Riffelalp et le Riffelsee. Vous connaissez le Riffelsee? Pas encore. Si vous descendez du Kornegrat, vous arrivez au Riffelsee et vous avez le miroir, le Cervin est dans l'eau. Dans l'eau, splendide. Il faut le faire. Il faut le faire, c'est merveilleux, vous allez voir. Mais il faut du beau temps et demain il va faire beau. Demain il va faire beau? Oui. Parfait. Oui. Alors voilà. En tout cas, je vous souhaite bien du succès et bien du plaisir. Merci. C'était chic de vous rencontrer. Merci, trop gentil. Bonjour, c'est Daniel, je suis Daniel. Tu es le directeur de l'Office du tourisme. C'est moi. Parfait, moi c'est Jeannette Bonda du Val d'Ost. Tu es mon rendez-vous. Merci. Bienvenue à Zermatt, ça fait plaisir de t'avoir ici. Alors tu vas m'accompagner à la découverte de ce très très beau village. Oui, j'aimerais bien faire ça. On y va. Alors Daniel, on est au centre de Zermatt. Dès que je suis arrivée, j'ai noté qu'il n'y a pas de voiture. Oui, même, il y a des chevaux. C'est comme ça, hein, il n'y a pas des voitures, mais il y a des voitures, mais c'est des voitures électriques, uniquement à Zermatt. On n'a pas des voitures en essence, c'est interdit. Et aussi, si on regarde après un peu les voitures, ils ont un peu un look spécial. Ce n'est pas des voitures électriques qu'on peut acheter chez les grandes marques. C'est vraiment des voitures qui sont produites ici à Zermatt et qui sont limitées de la longueur, hauteur, du poids, tout ça. Pour que les personnes, quand ils arrivent à Zermatt, ils voient tout de suite que c'est quelque chose de spécial. En effet,
l'hôtel nous a proposé de venir chercher nos bagages avec leur minibus électrique. Donc, même à niveau touristique et d'accueil, on va dire, vous êtes organisé que les touristes n'ont aucun souci. Oui, il faut. C'est vous qui pensez à tout. Le besoin du transport, c'est le besoin comme partout. On ne veut pas que les touristes ont des valises lourdes et les skis et doivent marcher trop loin. Et pour ça, chaque hôtel et les entreprises, ils ont le droit d'avoir une voiture. Mais moi, par exemple, comme personne privée, je ne peux pas avoir une voiture. Alors, c'est vraiment limité pour les entreprises. Combien de personnes, 5000, on va dire, les gens de Zermatt qui habitent, mais à niveau de touristes, combien ils en arrivent? Alors, on a 5 000, 6 000 personnes qui habitent là, mais on a 14 000 lits pour les visiteurs. Wow. Et dans ces 14 000 lits, il y a plus ou moins tout le monde qui dort. La plupart de nos visiteurs sont des Suisses, c'est le marché local, les Suisses, ça fait environ 40%. Okay. Suivi par les Allemands, 12%. Après, c'est les Américains, les Anglais, les Japonais, et après les Asiatiques, beaucoup des Asiatiques. Alors Daniel, finalement, en me promenant à Zermatt, j'ai vu qu'il y a eu une volonté de maintenir l'architecture locale. On n'a pas construit, bâti des grands hôtels. Mais on a vraiment la sensation qu'il y a eu une attention, une sensibilité particulière dans le temps. Cela fait que Zermatt elle est belle à voir et en harmonie avec le paysage. Alors là, on doit être vraiment dire merci à nos grands-pères, aux grands-pères qui ont gardé cette construction, cette architecture. Et aujourd'hui, on fait tous pour garder ces bâtiments. Et aussi, si on construit des nouveaux bâtiments, c'est très strict réglé. Par exemple, si tu construis un nouvel bâtiment, ça doit être adapté à l'architecture ancienne. Il doit avoir du bois, il doit avoir des cailloux vraiment originaux d'ici. Et aussi, très important, c'est la hauteur, la grandeur. On ne veut pas des grands bâtiments qui détruisent un peu l'image de tout le village. Alors, on a marché, on est en train de visiter. J'ai vu des personnes aussi avec les vélos. J'imagine en hiver beaucoup de ski. C'est quoi les activités qu'on peut faire à Zermatt? Bon, tu as déjà mentionné le ski, c'est toujours le numéro un et on investit beaucoup dans les remontées mécaniques, dans les domaines de skiables. Mais l'été devient de plus en plus important. C'est clair, c'est grimper les montagnes, randonner à pied, mais de plus en plus aussi les VTT, les bikes. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est très bien parce que ça nous rapporte une nouvelle client, mais ça nous pose aussi des challenges pour régler un peu le trafic sur les chemins, les sentiers. Oui. Okay. Et là, on est en train de construire beaucoup de chemins pour les VTTistes pour qu'on peut vraiment séparer les randonneurs avec les bikes. On a parlé des hôtels qui n'étaient pas très grands, mais Daniel, pardonnez-moi, dis-moi. Oui, ici, on est vraiment dans le vieil centre des hôtels. C'est les tout premiers hôtels à Zermatt. C'est clair, ils n'ont pas eu toujours cette grandeur, mais c'est des hôtels de l'époque 1800. Et c'est les premiers hôtels. Mais aujourd'hui, si on regarde un peu l'hôtellerie de Zermatt, c'est un hôtelier très petit structuré. On a 130 hôtels, mais le moyen des chambres, c'est 40 chambres. Ok, donc on peut dire que ça reste une gestion en famille. Hein? Voilà, c'est ça. Je dis toujours, c'est aussi de nouveau un atout, parce que c'est vraiment des hôtes qui font amitié avec leurs guests, leurs visiteurs. Mais c'est aussi un problème, parce que c'est des petites choses et c'est difficile pour des jeunes aujourd'hui de devenir hôteliers. Parce que gérer un hôtel avec seulement 40 chambres, c'est pas si facile parce qu'il faut aussi amortiser la licence. Et donc le vrai défi pour vous, c'est d'arriver à remplir, on va dire, je ne dis pas 365 jours, ouais. Mais en tout cas qu'il n'y ait pas un gros décalage entre l'hiver et l'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et aussi, entre saisons, on essaie vraiment d'atterrir des gens à Zermatt. Ça veut dire laisser les restaurants, les magasins, les remontées mécaniques ouvertes pendant toute l'année pour que les gens y viennent, pour que aussi les jeunes ils ont une chance de gérer cet hôtel. Parfait, super. On se met à genoux, oui. En face de Lucy Walker. C'était
qui est cette femme? Bon, Lucy Walker, c'est une femme très courageuse. Elle a vécu dans le 19e siècle. Elle, en 22 juillet 1871, elle était la première femme qui a grimpé le Cervin. Donc seulement 6 années après M. Whymper. Ça, c'est un grand atout qu'elle a fait. Et il faut penser à cette époque-là, les femmes, ils n'ont pas beaucoup de droits et les hommes, ils n'ont pas voulu qu'ils vont grimper. Et c'est pour ça que vous, maintenant, vous leur dédiez ces plaques. On a dit que c'est vraiment un grand effort qu'elle a fait, elle a vraiment mérité cette plaque. C'est vrai. On est finalement au musée du Matterhorn, c'est là qu'on va voir l'histoire de l'alpinisme de Zermatt. On y va. On a la sensation d'être entré dans une autre dimension. Où est-ce que tu m'as amené? Alors, c'est un peu notre Atlantis. Hein. Là, c'est la vieille Zermatt qui est descendue, tombée dans le tourisme. Mais c'est toujours comme les gens ils ont vécu il y a 200-300 ans en arrière. On a des petits chalets et chaque chalet a un thème. Par exemple, le thème de la première ascension du Cervin, c'est un chalet. On va le visiter. On va le voir. Alors là, on vient vers notre trajet, notre grande. C'est la cohorte originale qui est utilisée pour grimper le Cervin, une partie de cohorte. Et c'est vraiment par hasard qu'on a encore cette cohorte parce que quand les trois survivants sont revenus à Zermatt, il y a eu une rumeur que la cohorte était coupée. Parce qu'il faut rappeler que donc ils sont partis 7 personnes, mais en réalité 4 sont mortes, la corde s'est cassée. Oui. Et donc il n'y a que Whymper et les deux guides zermattois, les Taugwalder, qui ont survécu. Et voilà. Et donc, tu me disais, il y a eu même le soupçon que ce soit Whymper qui avait coupé. Il y a eu des rumeurs que Whymper a coupé ou aussi les Taugwalder ont coupé. Alors, c'était vraiment difficile à dire. Et pour ça, la police est venue, ils ont récupéré la corde. Et il y a eu un tribunal qui finalement a dit rien passé, c'est normal, c'était un accident normal. La corde était plutôt vieille. Si tu regardes là, la corde est là. C'est trop fin pour. Pour tenir quatre personnes en train de tomber. Mais la corde était enfermée et pour ça, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu vois là, les gens, quand ils étaient alignés, il y a les Taugwalder, les guides Taugwalder, les deux de Zermatt, Whymper entre les deux. Et après, ils ont utilisé cette corde qu'on a vue là entre Taugwalder père et Douglas, et c'est là que la corde a coupé. Donc finalement, ce qu'on dit, c'est que le plus jeune, qui avait 19 ans à l'époque, c'est probablement lui qui a dû chuter en premier. Le leader de l'équipe, c'était pour descendre, c'était Michel Cros de Chamonix. Ouais. Et juste derrière lui, c'était le plus jeune, le plus inexpiré. Et lui, on dit qu'il est slippé et il est tombé dans le dos de Cros. Et lui, il a commencé à tomber, et là on voit très bien, c'était l'endroit là. Et tu vois, une fois qu'il tombe, et c'est seulement Père Taugwalder qui a tout de suite réalisé ça, qui a mis la corde entre un caillou, mais elle n'a pas tenu et les trois sont tombés. Ça, c'est environ 1000 mètres. Hein. Donc finalement, tout le monde est arrivé au sommet. Tout le monde était sur le sommet, mais ils ont encore célébré, mais tombés après c'est juste c'est après comme ça, ils sont tombés 4. Et les 3 sont retournés en arrière. Ils étaient très choqués, ils ont rentré à Zermatt. Et on raconte que finalement, quand ils sont arrivés au sommet, ils ont hurlé et de joie. Oui. Et finalement, ils ont fait tomber un peu de neige de l'autre côté. Oui, parce qu'ils ont, si on tourne ça maintenant, alors Karel, il était environ là. Ouais. En montant, c'était une question de peut-être une heure finalement. D'accord. Et quand ils ont vu qu'il est en train de monter, ils ont commencé à crier. Yeah! On a réussi. Jeter un peu de neige, des cailloux. Oui, c'était peut-être pas très gentil, ils étaient punis très trop vite. Oui, mais c'était pour leur montrer que c'était eux les premiers. Voilà. Et finalement, c'est comme ça que Karel est retourné en arrière. Karel était déçu, oui. Il était fâché, déçu, il est rentré. Mais seulement 4 jours après, il a monté aussi le cercle. Tu sais, les Val d'Autun, nous avons la tête dure, nous. Oui, ouais, on a tous. Et maintenant, je te montre peut-être encore, on ne sait pas exactement. Mais c'est la cause, ce qui causait l'accident.
c'est le chaussure de Hadow. Ça, c'était le chaussure de ce jeune-là. Et oui, tu vois là sur le miroir, tu vois là, c'est plat, hein, c'est usé. Et c'est vraiment. Si tu montes aujourd'hui avec ça, tu es très en danger. C'est toutes ces choses des gens qui étaient dans l'accident, de ces quatre malchances, ceux qui ont eu malchance. Wow. C'est important quand même d'avoir récupéré tout ce matériel parce que ça vous fait, ça vous permet de pouvoir reconstruire et imaginer ce que ça devait être remonté. Incroyable. Et tu sais qu'on a, on a trouvé que trois personnes. Ça, c'est une histoire très spéciale. C'est toujours Douglas, le cousin de la reine, qui a disparu. On ne sait pas s'il est tombé dans une crevasse ou... Parce qu'ils ont seulement récupéré le lendemain les corps. Le corps du mort est disparu. On ne l'a jamais trouvé. Jamais. On n'a jamais trouvé. On a essayé, même l'année, la célébration de 105e année, on a de nouveau relancé une grande recherche avec des spécialistes, mais on a pas trouvé de traces. Alors il est toujours quelque part. Quelque part. Dans les montagnes. Oui. Parle doucement parce qu'ici c'est le prêtre qui dort. Oui, oui. Mais est-ce que le prêtre était tout le temps seul ou il accueillait aussi des gens? Au contraire, lui il était le premier hôtelier. Ah. Lui, il était ceux qui a pris les visiteurs parce que les autres, les locaux, au début ils ont eu peur parce qu'ils n'ont pas eu assez de place, assez de nourriture pour ces étrangers qui viennent là pour accueillir. Alors c'était le prêtre et aussi c'était lui qui le seul qui pouvait parler avec les Anglais. Parce qu'il connaissait la langue, Oui, mais il ne connaissait pas l'anglais, il connaissait le latin. Voilà. Et les Anglais qui étaient là, c'était tous des aristocrates qui parlaient le latin. Donc Daniel, on peut dire que si le tourisme a débuté à Zermatt, c'est grâce au prêtre. Voilà, c'est grâce au Dieu, on peut dire. Au bon Dieu. Alors finalement, on retrouve le serment, on ne le retrouve pas que à Zermatt, dis-moi un peu. Oui, comme tu vois là, c'est une petite exposition où le serment est partout utilisé dans des marchandises. Et bon, une comtesse, ça c'est super bien pour nous, parce que ça nous a aidé de faire connaître le caillou tout dans tout le monde. Le caillou, tu l'as pas dit. Le hore, on dit ici, caillou c'est un peu méchant, mais ici on dit le hore. Hore. Hore, ça veut dire montagne. Montagne, bien sûr. Caillou, c'est un petit nom pour sympathique. Mais de temps en temps, on dit le caillou. Et mais... tu me disais que l'image, on peut l'utiliser, mais pas le nom. Oui, évidemment. Alors tu vois que sur tous les produits, il y a l'image qui est... Les objets les plus drôles. Ouais. Montre-moi les ceux les plus frappants. Là, tu vois, par exemple, des cigarettes. Ouais. Bon, d'abord, le produit, on trouve que ce n'est pas très bien pour le cerveau. Non, associer la cigarette. C'est aussi l'air très fraîche, la cigarette, ce n'est pas ça. Et en plus, il utilise le nom Matterhorn. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un nom protégé. Bien sûr. Alors, malheureusement, eux, ils étaient plus vite que nous. On n'a rien faire. Ils ont pu faire. Si quelqu'un veut faire des cigarettes aujourd'hui, on... Et vous, Suisses, vous employez que ça, hein, à Zermatt? Oui, c'est important avec beaucoup de touristes qu'on n'a pas trop un mélange. D'accord, pour rester pur. Le 17 juillet du 2015, vous avez finalement fêté les 150 ans de la première ascension. Je vois là des photos qui me touchent beaucoup. Je vois encore Gérard Ottavio qui est monté. Toi, tu l'as évidemment connu. C'est ensemble que vous avez organisé cette belle journée. Une journée spéciale parce que tu me disais, il y avait aussi le prêtre qui a bénédit ce moment. Oui, c'est vraiment une jolie fête et beaucoup d'émotions. Tu vois maintenant. J'ai eu le plaisir d'être là et c'était vraiment nos voisins italiens qu'on a fait organiser tous ensemble. C'était super bien. Ils ont même pris, tu vois là, ils ont même pris un organ pour jouer pendant la messe et Don Paolo qui a célébré cette messe. Et, comme tu as dit, beaucoup de personnalités, des guides de Val Tournanche qui ont célébré ça ensemble avec. Alors, aujourd'hui, j'ai bu à la fontaine, donc on peut fêter les 300 ans ensemble. Oui, bien sûr. C'est
C'est promis. Promis. Nous sommes dans un lieu particulier, un lieu où on se dit qu'il y a une autre partie de l'histoire. Donc, ne sont pas ensevelis ici les corps, mais nous avons quand même les pierres tombales des personnages les plus importants par rapport au Cervin. Bon, c'est les gens qui ont grimpé le Cervin comme les premiers. Ici, les cailloux, mais pas les corps, comme tu as dit. Mais aussi des autres grimpeurs qui ont fait des grandes choses ou qui ont un joli caillou sur leur tombe. Alors, on, au lieu de jeter ça, on l'a mis ici aussi comme une zone de souvenir et aussi pour la réflexion. On a aussi le tombe du grimpeur inconnu. Parce qu'on a de temps en temps, on a toujours des gens qu'on trouve. Et on ne sait pas qui c'est. Alors, aussi pendant les années de l'année 2015, qu'on a célébré les 150 années. On a fait le tombe pour le grimpeur inconnu. Inconnu, un peu en mémoire de tous ceux qui sont tombés sur cette montagne. Voilà, voilà. Et bien sûr, la pierre aussi a la forme du Cervin. La forme, on a cherché une pièce, un caillou qui ressemble très bien au Cervin. Très beau geste. Alors Daniel, la journée ça se termine. Merci pour cette visite spéciale à ta compagnie. Compliments pour tout ce que vous avez fait. Super, ben, pas toi tout seul, j'imagine avec toute l'équipe, mais vraiment, on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié votre esprit. Merci, Jeanette, pour ton visite et on va boire une bière pour le final. Absolument, oui, merci.